Concernant le soja, c'est une question intéressante parce que là, on voit bien que les personnes qui disent que c'est mauvais pour la santé, qu'il y a tout un inconvénient, n'ont jamais, jamais ouvert une revue médicale, un comité de lecture. Vraiment, je ne sais pas d'où viennent nos informations. Certains sont liés à l'industrie agroalimentaire. Il y a notamment, par exemple, une chercheuse qui s'appelle Madame Beneteau qui passe son temps à dénigrer le soja, mais elle fournit aucune étude. Et puis, bon, elle est notoirement liée à l'entreprise Danone. Et donc, bon, on peut comprendre pourquoi elle dit ça. Mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas du tout liées à l'industrie agroalimentaire, qui sont plutôt dans les médecines alternatives, qui ont exactement le même discours alarmiste. Et en fait, c'est absolument du vent. L'intérêt du soja, bien sûr, c'est les protéines. C'est une graine qui est très riche en protéines. C'est une protéine de très bonne qualité avec un équilibre parfait entre les différents acides aminés essentiels. Mais aussi, l'une des spécificités du soja, c'est la présence d'isoflavones, improprement nommés phytoœstrogènes. Mais les phytoœstrogènes, on trouve aussi dans d'autres aliments. On en trouve par exemple dans les graines de lin, on en trouve dans les céréales complètes, et on en trouve même dans le lait de vache. Voilà. Et bizarrement, c'est le soja qui est ciblé et non pas tous les aliments qui contiennent également des phytoestrogènes. Alors, les phytoestrogènes, ils ont un effet bon, qui est assez modéré. Ce ne sont pas des oestrogènes, c'est-à-dire que ce ne sont pas des molécules qui chimiquement sont identiques à l'estradiol, mais ce sont des molécules qui vont se fixer sur les récepteurs aux oestrogènes. Donc il y a deux types de récepteurs, ER-alpha et ER-bêta. Ils vont avoir tendance à stimuler les récepteurs alpha, et ils vont avoir tendance à inhiber les récepteurs bêta. On va plutôt retrouver des récepteurs bêta sur le sein, par exemple. Donc ça va inhiber l'effet de l'oestradiol sur le sein, d'où l'effet préventif du soja sur le cancer du sein. Et inversement, il va plutôt stimuler les récepteurs ER-bêta, donc par exemple, ça va aider à avoir des os dans une meilleure santé. Donc, lorsqu'on étudie la littérature scientifique sur le sujet, il y a vraiment très peu d'études négatives sur le soja. Vraiment, c'est anecdotique. Il y a énormément d'études positives sur le soja. On sait aussi que le soja, c'est un aliment pour lequel on a un énorme recul. En fait, c'est consommé depuis 9000 ans en Chine. Et ce qui est intéressant, c'est que traditionnellement en Chine, on l'utilise lors de la diversification. C'est-à-dire que dès l'âge de 6 mois, voire un peu avant, on donne des préparations à base de soja aux jeunes enfants qui vont continuer à l'âge adulte jusqu'à leur mort. Et ça se passe très bien. Voilà. Par exemple, on a une population qui vit sur l'île d'Okinawa au Japon, qui est connue pour consommer des quantités importantes d'isoflavones. Et ça fait partie des personnes qui vivent le plus longtemps dans le monde. Alors, on a aussi l'expérience américaine. En fait, les laits de soja maternisés, c'est quelque chose d'ancien qui a commencé dans les années 1929. Donc, aux États-Unis, déjà, on utilise le soja alors, dès la naissance pour les cas de figure où la mère ne peut pas ou ne veut pas allaiter. Et là aussi, c'est utilisé avec succès. On n'a pas de noté de problème particulier, à tel point que la position officielle de l'Association américaine de pédiatrie et que, il n'y a pas de différence constatée entre les enfants qui ont été nourris au lait de soja ou ceux qui ont été nourris au lait de vache. Lorsqu'on regarde le rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 2005, dans le rapport de 300 pages, ils disent clairement qu'ils n'ont pas trouvé d'études chez l'être humain qui montraient un effet négatif, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Par contre, ils ont trouvé une ou deux études chez l'animal. Cette campagne de communication complètement à côté de la plaque d'un point de vue scientifique est vraiment pas du tout honnête. Il fallait comprendre qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques comme quoi c'était mauvais, mais que il fallait quand même, par le principe de précaution, faisait qu'il fallait s'en méfier. Mais c'était tourné d'une certaine façon que ensuite le message a été déformé par les médias et donc on comprenait que c'était dangereux pour les enfants. Pourquoi de telles campagnes? Je pense que le soja est un redoutable concurrent des produits d'origine animaux. Le soja a une structure un peu fibreuse, ce qui fait qu'avec, on peut tout faire. On peut faire de la viande végétale, on peut faire des yaourts, on peut faire des crèmes, on peut faire des fromages aussi. Et du coup, je pense que quelque part, l'industrie laitière a voulu tuer le serpent dans l'œuf.